Bonjour, bienvenue à l'émission Conseil de sagesse d'excellence. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à l'ASER Les Ministères. Aujourd'hui, je vais vous encourager parfois à accompagner vos prières d'une offrande. L'apôtre va souvent dire que l'offrande est un amplificateur. Parfois, il vous est arrivé de prier et ne pas voir l'exaucement très rapidement. C'est peut-être parce que vous n'avez pas souvent ajouté à vos prières une offrande. L'offrande va amplifier vos désirs. L'offrande va amplifier vos cris, vos prières. La Bible va le dire dans Philippiens chapitre 4, verset 7, que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce aux besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse tout intelligence va garder vos cœurs en Christ Jésus. Vous voyez que Dieu va associer, va nous encourager à associer à nos prières une offrande. C'est ce qu'on appelle action de grâce. C'est pas seulement dire merci à Dieu, c'est faire une offrande d'action de grâce. Vous savez, votre offrande a un pouvoir dans le cœur de Dieu. L'offrande part dans le cœur de Dieu. Et l'apôtre va souvent appeler ça l'amplificateur. Donc, je vous conseille toujours d'ajouter à vos prières, à vos supplications, à vos intercessions, à vos requêtes, une offrande. Vous allez voir que parfois, l'intercession va aller plus vite. Vous allez avoir un retour relativement rapide. Ça, c'est ce que Dieu... Vous allez voir ça dans la parole de Dieu. Même Daniel, dans le chapitre 9 ou le chapitre 10, il va faire une intercession pour le peuple d'Israël. La Bible va nous parler de l'offrande du soir qu'il va faire pendant qu'il était en train de prier. Il priait pour tout le peuple. Mais la Bible va nous dire, il va faire une offrande également qui va accompagner son intercession. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler à lui et Daniel va recevoir beaucoup de révélations dans ce sens. Donc, il est important de toujours associer à ses prières une offrande. L'offrande va toujours amplifier vos désirs. L'offrande va toujours amplifier votre foi. L'offrande va toujours amplifier votre foi, votre voix. Et même, vous pouvez remarquer que même quand vous ne parlez pas et que vous faites une offrande à Dieu, parfois Dieu va quand même répondre. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Salomon allait adorer à Jérusalem avec une offrande. La Bible nous dit qu'il va faire une offrande extravagante. Mais il n'a pas demandé quelque chose à Dieu. Il voulait simplement honorer Dieu et lever Dieu pour ce qu'il est. Il va faire cette offrande, mais Dieu sera comme obligé de se révéler à Salomon. Ouais, parfois même, vous pouvez voir Dieu se manifester glorieusement dans votre vie, sans prière, mais avec une offrande. Il y a quelque chose, et notre homme de Dieu le dit souvent, le révérend Alain Patrick Tsengé Tsengé, il y a quelque chose dans l'offrande, dans le cœur de Dieu. Donc, je vous encourage toujours à accompagner à vos prières une offrande. Vous allez voir les miracles venir très, très rapidement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.